Bonjour YouTube. Bienvenue. Bienvenue, nous allons à Ours en goguette. Oula. J'ai failli fourcher, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Ours en goguette. C'est parti. Pas de prédictions, pas d'applaudissements. Non. Faites des prédictions si vous voulez dans votre tête. Voilà. Si vous voulez. Ou alors je fais un sondage. Au moins. J'en sais rien, mais le problème c'est que. Le problème c'est que si je mets qu'on a toutes les caisses, je vais avoir envie de refaire en boucle pour faire toutes les caisses. Je mise 250k dans ma tête. Ah ok, mais alors si vous plaignez pas si je passe un truc parce que je rage quitte. Hein. J'ai vraiment fait vite. Hein. Bonjour Vanda. T'as cliqué parce que t'as vu la pompote en miniature ou quoi? De toute façon, vous avez pas le temps de voter que j'ai fini le niveau, donc je sais pas pourquoi tout le monde se plaint. Pomme pote chaudière. Ouah, des skieurs! D'où sortent-ils? Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Élise Lucet est sur place. Pour le 100%, celui-là, il faut s'accrocher. Ah, donc pizza, il a déjà dit non. C'est bon. Voilà. Vous voyez? Après, attention, on a dit toutes les caisses, pas 100%. Vous avez compris. You understood, because you understood the English. Vérifie s'il y a une caisse spéciale. J'ai raté le moment où tu expliques ce que l'on t'a offert. Tu peux récapépète. Oh, tu fais partie des gens qui récapépète. Qu'est-ce qu'on m'a offert? Mais pas grand-chose, hein. À part, il y a un truc en particulier qui est gros et large. Il s'agit d'un séjour à Disneyland Paris. Point d'exclamation dildo. Sinon, il y avait de la bouffe, genre pâte à tartiner, je crois qu'il y a de la confiture, il y a une confiture framboise macaron. Et oui, c'est vrai, attendez. Il y a ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la mise au point. La mise au point! Putain. C'est un nettoie crasse. Tu vois la crasse dans la rainure de ta manette, de ton clavier, là. Tu vois ça? Ben, je peux passer dedans, là. Et enlever la crasse. Et après la manger. Non. On l'a jamais vu aussi. Donc ça, c'est ma sœur qui a envoyé ça. Peut-être qu'elle pense que c'est dégueulasse chez moi. Elle aurait pas complètement tort. Et quoi d'autre? Une image, genre un petit cadre sur la série Peaky Blinders. Un bon d'achat de 50€ à valoir sur tout partout. C'est un billet de 50 en réalité, voilà. Et puis je crois que c'est tout. Je crois.
Et du coup, séjour à Disney dans quelques jours. Juste après le nouvel an. Donc il y aura encore les décos de Noël, mais il y aura plus personne dans le parc. Je sais pas pourquoi je suis tombé là. Rien à voir. Je passe enfin level 3 en reco sur Overwatch. Oh my god. Dites-en. Mais dites-en. Oups. Ah, oh, mais les checkpoints, là, mettez en plus. Plus de checkpoints. Regardez la caisse devant là, qui bouge pas, alors que la plateforme bouge. Insupportable. 0 sur 20 ce jeu. Ouais, si tu meurs plusieurs fois, il y a un checkpoint, mais ça m'est pas arrivé encore. Alors que dans Pokémon, bah voilà, dans Pokémon, les textures sont bien. Hein ? Oh ! Oh mais non ! Mais regardez ça ! Il fallait une gemme jaune ! J'ai pas la gemme jaune ! La prédiction n'est pas annulée. Laissez-moi vous montrer. Car dans le montage, quand j'ai regardé mes vidéos, j'ai vu, de mes yeux, vu. Par contre, je sais plus dans quel niveau, là. Putain, j'en sais rien. C'était dès le début du niveau. At the beginning. Là, regarde, elle est là! Elle est juste au début! J'aime de couleur trouvée. Problème, il faut finir le niveau maintenant. Avec toutes les caisses. Ouais, mais je vais forcément en rater. C'est en plus, c'est le niveau qu'on avait rushé.
Oh là là. Allez, rush, 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 ça suffit les conneries là! On finit le jeu, on fait pas le 100%, pourquoi on fait ça maintenant? Vous voyez, on se pose des. Rush, rush! Pourquoi on fait ça? Ça, c'est à cause de la prédit. Sinon, on n'aurait pas fait ça! Sans la prédiction de tout à l'heure là, sur le niveau. On n'aurait pas fait ça! Putain! Allez, mais en plus Crash il s'accroche pas. On ne fera plus de prédictions. C'est de la merde. Courant, c'est insup. Ta pote à droite, YouTube. Les crocodiles. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles. Ah, les crococros, les crocrocros, les crocodiles. Ah, les crococros, les crocrocros, les crocodiles. Voilà, merci hein. Génial. Oh, croc croc hein. Crocodile. Ou toi. Ce niveau qui sera jamais fait correctement. Et du coup, merci, hein. Toi nous slash toi nous. Pourquoi il y avait Crash? C'était le faux Crash. It was not the real one. Ours en goguette.
trophée s'appelle Pizzaz. Oh là là, pizza qui ramène tout à lui, insupportable quoi. Oh le melon du gars quoi. Sans guinguette. Attends, c'est ce niveau-là ou pas, là ? J'ai pas déjà fait ça. J'ai oublié. Ultra méga giga simple sourire. C'est ce niveau qu'on est censé faire ? Pardon. J'avais besoin d'extérioriser. Je suis omniscient, c'est normal que je rapporte tout à moi. Oh my god. Facile ce jeu quand même, hein. Ce sont des mangues. Non, ce sont des... j'ai oublié comment ça s'appelait en fait. Des mangues qui ne sont pas des mangues. Ce ne sont ni des mangues ni des pommes. Ce sont des whoops. Pass, Wumbas, Wumpa Lumpa, Wumpa. Voilà. Oula, oula, ça sent les emmerdes. Ah bah super, il est tombé. Les Wampas, c'est autre chose. Ah oui, c'est quoi ? C'est pas la saison, hein. Sinon, la prochaine cassette. Oui, la prochaine cassette, ouais. Je suis dessus, là. Un groupe de musique. J'ai assez peu de culture musicale, je trouve. Donc, désolé. Un vieux groupe de rock que mon papa adore. Mon père, il écoutait Pink Floyd. Il écoute toujours, hein, car il est vivant. Où je connais Pink Floyd. Pink Floyd et Oli, ouais. Je connais Pink tout court. Je connais Pink. Je vais à son concert. L'été prochain. Alright, nous y allons. Et vous vous rendez compte que c'est tout ça pour avoir... ne pas avoir toutes les caisses à la fin. Ça se trouve, le niveau là, il n'y a pas de caisse dedans. We running up that road. Les concerts l'été, 30 degrés dans la salle, ressenti 50. J'ai hâte. J'ai hâte, collé à la... Oh mon dieu, mais qu'est-ce que... Non mais ils ont pas fait ce niveau-là. J'ai hâte d'être collé à des gens en sueur, tu vois. Mm-mm. Tu sais, quand ça colle, là, sur les bras, tu décolles, là, ça fait...
C'est exactement ce qui va se passer, Iris. T'as jamais voulu être bruiteur dans l'animation. L'huile d'individu. Ah non, mais je suis bel et bien dans la fosse. Je veux l'expérience totale. Je récupère la sueur sur le sol après le concert. Puis je prends une chips que je mange. Pardon, faut encore avoir la ref. L'huile de coude. Non mais il faut racler là. Torlink. Torlink qui a la ref. Chips à la sueur. Ça commence à me dégoûter, hein, votre histoire. Doucement. De toute façon, comment vous pensez que les chips au vinaigre sont faites, hein, La spatule. Rien à voir, mais YouTube m'a proposé l'OST de Mulan au moment où elle coupe ses cheveux. J'ai encore les frissons de cet instru. Ah, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais j'arrive pas à entendre, là. C'est le moment où il y a une espèce de gros synthé, là, qui fait... Un truc comme ça. C'est ça, c'est ce moment-là. Ah, mais je vois pas les plateformes. Je sais pas sur quelle plateforme ils sont. J'ai cru que le coup du bruit de cheveux... Le quoi? J'ai cru que du coup le bruit des cheveux coupés dégoûtait. J'ai prévu que ça avait rien à voir. Oui, c'est vrai, mais. C'est pas grave. Hein. Vous pensez qu'on peut marcher sur les côtés du pont comme dans Crash Bandicoot 1? Coucou Sky, j'avais pas vu que t'étais là. Imagine les cheveux gras de Mulan. Imagine les cheveux gras dans la fosse. Mulan qui racle la sueur de la fosse avec sa tête. J'arrive pas à monter dessus, là. Il me dit essayer. Mais je sais pas où sont les monstres. Les gens qui postillonnent en criant pendant une chanson. Je ferai partie de cela. Pourquoi il faut ralentir le temps là? Pourquoi cette blague?
pas besoin de ralentir le temps, moi. So what? Non, t'inquiète. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Eh ben, c'est le vrai chemin! Oh là là! J'aimerais bien sa chanson pour la sorte. J'aimais bien sa chanson. Oh, j'arrive pas à parler, j'ai marre. J'ai cru qu'il y avait un truc en haut. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allons! Les gens juste derrière toi qui poussent les cris suraigus dès que quelque chose bouge sur scène. Mais c'est l'expérience! C'est, ça fait partie du lot. Ça va être mon premier vrai concert de ce genre, en plus. Quelle expérience! Arrête! Mais arrête de faire la même chose! 14 morts, ça va. J'y vais pas seul, hein, donc ça me paniquera moins. Puis c'est dans longtemps. J'ai le temps de paniquer avant et de tout annuler et de vendre mon billet. Do you know? Ah là là! Ah putain, on peut pas passer là. Oh, ça m'a fait peur. Encore ? Putain, mais il y a que des niveaux comme ça. Oh, comme ça m'avait manqué!
Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cette blague là? Il y a un niveau avec du ski. Ça m'avait manqué. Easy pour une fois. Oh God, tu es là toi. Tu es mignon, mais... J'ai raté des caisses. Petit polar. On est d'accord que c'est fait ça, oui. On aime bien cette phase, le problème c'est les caisses. Oh putain, faut passer entre les trucs. Ça va. Est-ce que vous avez un polar? Bon, nous, on n'a pas de polar, non. J'ai pris la caisse ou pas, là? C'est la dernière prédiction. Plus jamais. Avant qu'on ait fini le jeu. Peut-être après, mais bon. Fuck! On est obligé de passer entre les trucs, là. Non mais, non, en fait faut peut-être pas. Oh mais regarde, il l'a pas pris. En plus on n'est pas obligé. Prédit pour 100%. On prédit le nombre de morts, tu vois, je sais pas. Oh là là! Ah.
Et comme ça... Je m'amuse. Ça se voit. Cassette. Bon. Bonjour, ça faisait longtemps, brioche touille. Merci, petit bâton. Plus jamais. C'était la dernière prédiction sur Crash Bandicoot, ok ? Ah, regardez, on a un niveau avec... Bah, j'ai déjà oublié son nom. Construction de pont. Toana. Mais oui, mais on n'a jamais entendu son nom, non? Quand est-ce qu'on a entendu son nom pour la première fois dans la série des Crash? Elle est jamais nommée dans Crash Bandicoot 1 et compagnie, là. J'ai dû oublier ma veste dans le carré des Bermudes. Lago. Molo. Plaisir. Ça veut dire qu'on va devoir refaire du ski, là. Enfin, du ski polaire. N'hésitez pas à mettre des checkpoints quand vous faites un nouvel élément de gameplay, c'est toujours appréciable. Parce que d'habitude, il n'y avait pas l'électricité. Hein. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'avait dit « Mais attends, mais tu connais pas ce personnage, hein, t'as pas joué au premier Crash Bandicoot ou quoi ?» Il avait cet air hautain, comme ça.
Oh là là, on va s'amuser. Ah, les gens en commentaire. Ah, les gens en commentaire quand c'est les vacances scolaires. Sinon, d'habitude, c'est ok. Bon, comment je vais monter là-haut, moi? Sera une plage tropicale. Y'a pas un petit checkpoint là? Avant. Non. Des cocktails avec des petits parasols. Le checkpoint! Il est là. Il était là. Merci Freya, merci beaucoup. Ah super! Allez, go. Et c'est le checkpoint. Oh my god. Oh god. Bah oui, bah oui. On fera jamais le jeu à 100%, je sais pas pourquoi on se fait chier quoi. Jamais, jamais, absolument jamais. Oh là là! Jamais, mais non, mais jamais. Il faut faire tout ça sans mourir. Évidemment qu'on fera ça jamais. Oh, bon Dieu.
putain. Mais comment tu passes là? Et c'est rebardi! Peut-être qu'à droite il y a des trucs. Hein. Peut-être pas. Mais s'il vous plaît. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait là? Avoue que c'est de la balle, c'est ce qu'elle dit, hein. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, vous. Ah, Wanda, commence pas, hein. Je sais pas s'il faut que je les casse en fait. Ça se trouve, il y a pas besoin. Je sais jamais si genre ça se trouve à la fin, il y a pas de truc pour casser les nitros. Et on est tous très déçus. Oh. Oh, croc croc, ouais. Mais vous êtes de sacrés dégueulasses, hein. Avada Kedavra. À côté de la balle. Eh ben, on va pouvoir réécouter. Attention, écoutez bien le bruit du masque quand je le récupère. «
J'avoue, c'est de la balle. Et je participe même pas, mais oui, cette débauche. Bonjour Link. Ça va bien. Nous, dégueulasse. Vous pratiquez le coït, j'en suis sûr! Affronter le masque. Maintenant vomis, sale pécheresse. Quid 19. Ça vous dérange? Non, en vrai non. Pratiquez, pratiquez. Moi j'entends Michel Polnareff, c'est bizarre. Et c'est pas vrai. Je l'ai vu venir, cette histoire. Une petite prédit. Oh god. J'entends fait des sub-gifts. Bizarre. J'entends petit McDo ce soir. Arrêtez ! Arrêtez ! Je peux pas aller au McDo, j'ai pas de voiture ! J'ai pas ma voiture ! Après, je peux commander. Mais je commande plus, c'est trop cher. Non mais j'ai pas ma voiture, McDo, KFC, c'est la même combat, quoi. Merde. Quelle triste histoire. Je sais même pas si je voulais raconter ou pas. J'ai peut-être oublié. Faut y aller à pied, mon brave. Oh, elle est un peu loin, le Mac. On commande plus parce que c'est trop cher. Et pas les conditions de travail des gens, bah super! Je vois le type de personne que vous êtes, bref. T'en veux plus sur moi, Iris? Je vais acheter Hogwarts Legacy et y jouer alors que ça va donner de l'argent à J.K. Rowling. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, Iris Alpha? Choc. J'ai un tweet. Scandale. J'aime bien foutre la merde, hein, parce que j'en ai parlé hier à Pic en lui disant « Putain, c'est vrai que ça me gêne, cette histoire. Je sais pas comment les gens vont réagir. » Puis moi, je te sors ça après. Quel connard! Je suis un connard. Monsieur Grosse Moto. Vous pouvez m'emmener au McDo, s'il vous plaît. Oui, mais moi, je vais y jouer sur PS5. Oh, les cracks. Et j'étais acteur de cette réflexion. Pas sûr. Non, je pense pas. Mon premier message sur ce chat me servira à dire que je suis scandalisé et que je ne reviendrai plus.
Ah, par contre, si c'est le tweet, Iris, le fameux tweet, il dit... Il y a quelqu'un qui écrit... J.K. Rowling a dit que si vous achetez son jeu, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ses propos. Si c'est ce tweet-là... Bah, il m'embête un peu, ce tweet, parce que... Certes, elle a dit ça. Enfin, non. Le RT, il dit pas ça. Même si, de toute façon, ça enlève rien à ses propos de merde. Mais le tweet en lui-même, il est bizarre, non? Bref. Je sais plus pourquoi, Pic. Je sais plus ce que j'ai dit. On n'est pas comme ça ici, on fait la séparation entre l'œuvre et l'artiste. Oh là là, arrêtez de lancer des dingueries comme ça, là. Tout ce que j'ai retenu, c'est Iris. Oh, Iris, il a mis un lien. Les conditions de travail de Uber Eats sont scandaleuses. Voilà ce que Iris a mis. Ah oui, c'est pour ça! Oui, c'est pour ça. Mais non, mais c'est Iris qui vient, là, en chevalier blanc, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Parce qu'on veut commander McDo. Et que... et pourquoi c'est parti sur J.K. Rowling? Bah, je sais plus. Oh, ça me saoule. Oui, mais si, mais c'est ça. Alors, ça y est, j'ai le fil des histoires. Attention. On écoute. Je vous explique. Attends, d'abord, je regarde le message que Lilichi a ban. Ouais, bon, bref. On a parlé de McDo, j'ai dit que j'avais pas de voiture, que je pouvais commander, mais que c'était trop cher. Iris a réenchéri, genre, les conditions de travail d'Uber Eats, on en parle, ça veut commander, alors que j'ai dit que je commandais pas, que c'était trop cher. Enfin, bref, c'est trop cher, mais on aurait commandé. Et du coup, vu qu'il était trigger, il exagérait, mais bref, il a un fond quand même de raison, je lui ai dit, mais tu sais, Iris, ce qu'il y a de pire, et j'ai chuchoté, tu vois, près de son oreille que j'allais acheter Hogwarts Legacy malgré tout. Et voilà. Et que c'était une dinguerie. Et que après j'ai dit, je me fais chier parce que j'ai dit hier à Pic que j'appréhendais de faire le jeu, du drama, de machin. Et je sors ça mot pour mot après. J'ai pas suivi le dossier de près, mais je n'ai jamais vu de transphobe. Alors. Voilà, tu vois pourquoi je voulais pas en parler, mais je sors ça direct. Si j'ai bien suivi, elle a dit des trucs transphobes. Elle a participé à des associations de ce genre. Enfin bref, c'est acté, quoi. C'est acté. Y a pas de doute. T'as rien fait, Iris, c'est moi qui en parle. T'es caté. Et on en a pas parlé. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Probablement, pendant Hogwarts Legacy ou avant. Qu'on en parle sérieusement, parce que là, on fait des blagues. Voilà, je n'y suis pas préparé.
Mais en tout cas, qu'elle soit transphobe, c'est acté, hein, d'après moi. Et dégueulasse. Non mais c'est ça, Togart, enfin, c'est pas que c'est ça, mais... Hop, bon Dieu! Ouais, ce genre de sujet, c'est toujours tendu. C'est sûr, mais vous avez le droit d'avoir votre avis. Ce qui est pas possible, par contre, c'est d'insulter des gens. Ce que je n'ai absolument pas vu dans le chat, là. Je le dis juste. Que les gens aient un avis, y a pas de problème. Putain, j'arrive pas. Vous êtes tous nazes, bouh. Oulala. Mais on en parlera sérieusement à l'approche de la date ou à d'autres occasions, là, c'est pas le moment. L'endroit est ok, mais c'est pas le moment, parce qu'on... On n'est pas dessus, là. Mais je pense qu'on en parlera. C'est important, justement, à la sortie du jeu ou pendant le jeu, parce que je souhaite y jouer. Probablement en stream, donc. Mais on en parlera. Faut se concentrer. Oui, tout à fait, tout à fait. Il sort quand le jeu? Je sais plus, fin février? Alors, loin de moi l'idée de faire de la pub à une streameuse, mais... Si elle souhaite faire de la pub, elle peut. Mais voilà. Février, ah, je pensais que c'était plus loin dans le mois. Et si elle souhaite rien dire, elle peut aussi. Bah si, voilà, si tu veux, tu peux. Vu que c'est pas un sujet qui nous concerne, si ça vous intéresse, allez vous renseigner vers des associations qui sont pour ça. Bon, il y a des gens que ça concerne dans le chat, hein. Non mais ça, moi je trouve ça intéressant, tu vois, que ce soit en bien ou en mal, enfin bref, tu vois, tout le sujet, je trouve ça intéressant. C'est moi qui ai dit d'ailleurs, on en a parlé hier avec Pic, mais je lui avais envoyé un message en lui disant que ça pourrait être un bon sujet de talk, puisque vous savez que Picture fait des streams où elle talk de sujets, et je lui avais envoyé ça, je lui dire que ça pourrait être intéressant de voir... Les points de vue à propos de J.K. Rowling. Pas à propos de J.K. Rowling en soi, mais surtout le côté... le jeu qui va sortir, tout ça. Et il me semble qu'elle est d'accord pour faire ça, mais j'espère ne pas dire une connerie et ne pas te foutre dans la merde, il me semble. À l'approche de la sortie du jeu, oui. Voilà, donc il est possible que je participe, donc on pourra discuter... ensemble, peut-être avec d'autres personnes. Peut-être voudrez-vous être dans le chat pour en discuter, justement. Ce sera un bien meilleur moment, un bien meilleur endroit pour le faire. Donc, évitons de le faire ici. Mais ça me permet de vous dire que ça m'intéresse. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir l'avis de tous, qu'on en discute. Après, c'est pas un débat pour savoir si elle a raison ou tort. Hein. Dans tous les cas, elle est transphobe et c'est de la merde. Mais c'est de savoir, tu vois, qu'est-ce qu'on pense du fait de... d'acheter ou de jouer au jeu, tu vois. Est-ce que ça... Enfin, voilà, vous voyez. Je pense que vous avez compris. Et s'il y a des gens que ça gêne, eh bien simplement, il faut pas venir ou... Voilà, hein, ça, c'est possible que ça vous gêne. Moi, je trouve ça intéressant et j'ai envie
d'en parler avec les gens que ça intéresse. Distinguer l'œuvre de son auteur, ça je... Non, c'est pas possible ça. Faut pas dire ça. Enfin bref. Arrêtez de dire des dingueries pareilles. Ah voilà, si le sujet vous intéresse pas, vous venez pas, hein. Faut pas chercher. Hein. Et comme je le répète, ce n'est ni l'endroit ni le moment de le faire, on le fera plus tard. Voilà. Va-t-on faire ce niveau bonus ? J'étais pré-shot ? Ah merde, du coup je remontais pour voir. Mets-toi un point à cette discussion. Point. Mais tu vois, c'est encore sa faute ça. C'est à cause de J.K. Rowling que j'arrive pas à ce niveau. C'est sûr et certain. Ou à cause de Karine Le Marchand, je sais pas, mais une des... Serais-je un peu casse-couille ? C'est possible ! C'est possible ! Bon. Le niveau, donc. La faute d'Iris, ça. Bref. Oh ! J'en ai marre. Super, Iris. Mais non, c'est grâce à Iris. Vous savez, il s'est rien passé de problématique, là. C'est grâce à Iris. Iris qui ouvre le débat, qui nous permet de prendre du recul, de réfléchir à des choses et à d'autres. C'est ça. Merci, Iris. Et ça a permis de faire un maximum de teasing, tu vois. Pour un stream Talk, pour un stream Hogwarts Legacy, probablement. Pour un moment de discussion et d'échange. Et après, la moula. Et voilà. Tout est calculé. Oh, j'arrive pas. Pub de pique comme on l'avait planifié, Brie. C'est un franc succès pour que les gens viennent chez Peak, bravo. L'équipe marketing est contente. Et YouTube, si tu vois cette rediff, je t'invite à ne pas spécialement débattre dans les commentaires de cette vidéo si ce sujet t'intéresse, mais plutôt d'attendre la date ultérieure de ce fameux talk qui, si je ne m'abuse, se retrouve également sur YouTube ensuite. Et ce sera sûrement l'endroit plus adapté. YouTube, ton avis, on s'en fout. Mais non ! Ah bah voilà, hein, ça va mieux. Vous allez trop loin pour remercier les gens. Merci, Iris, merci beaucoup.
dire. Merci pour tout ce que tu fais. Tu nous rends meilleurs, Iris. Grâce à toi, des gens qui n'étaient pas au courant sont au courant. Certaines personnes ne l'étaient pas et le sont et changeront des choses dans leur vie. D'autres ne changeront rien. Et ce sera bien comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, du moment qu'il fait pas chier les autres, tu vois. Du moment qu'il met pas les céréales après le lait, chacun fait ce qu'il veut. Ah, voulez-vous ? Quoi, Sistock ? T'as loupé quoi ? Bah, Iris qui vient de sauver le monde, finalement. Ah, pour un chat, hein. Il vient de toutes et tous nous sauver. De l'oppresseur, mais arrête de sauter ! Prions Iris. Merci Iris pour Avatar 2. J'ai pas vu si j'avais raté une caisse. Vous regardez la vidéo ou pas là? Parce que si je rate un truc et que... Oh, mais quoi ? Ça m'a fatigué. Hein. GG. Et bah, YouTube, j'espère que t'as apprécié. Hein, parce que ça a été rude aujourd'hui. Rude. Des bisous, YouTube. On se retrouve pour peut-être faire plus de niveaux là. Je crois qu'on est sur un boss en plus.
C'est la fin du jeu, hein. La fin du jeu, générique de fin dans 2 minutes. À peine. À bientôt, YouTube. N'oublie pas de remercier Iris.